dans les premiers mois de la crise syrienne, on va dire grosso modo jusqu'en 2012, le Hezbollah dit oui, on a quelques individus, membres du parti, qui à titre individuel vont se battre en Syrie. Puis il a commencé à avouer qu'il était présent en tant que parti politique dans les lieux saints et au village frontalier. Aujourd'hui, il a complètement dit nous sommes présents et nous apporterons un appui total pour que ce régime ne tombe pas. Donc l'engagement du Hezbollah sera de plus en plus massif, sera de plus en plus visible. Il y a un apport logistique déterminant du Hezbollah à la répression du régime syrien, puisque jusqu'à présent c'était une répression entre guillemets conventionnelle, avec chars, avions, obus massifs. Et là, on peut dire que le Hezbollah apporte en plus ce savoir-faire de guérilla, ce savoir-faire de milice et de combat de rue, qui est quand même un plus pour le régime syrien d'avoir une milice bien entraînée sur des opérations dont lui n'avait pas du tout l'habitude de mener.